Après son baptême, je suis rempli d'Esprit Saint quitta les bords du Jourdain. Dans l'Esprit, il fut conduit à travers le désert où, pendant 40 jours, il fut tenté par le diable. Nous sommes dans ces temps bénis du carême, où l'Église nous invite à prendre exemple sur le Seigneur et nous entraîner pour le grand combat spirituel que nous devons mener au quotidien contre les trois ennemis de l'âme, le démon, le monde et la chair. Temps d'entraînement. C'est avec ces mots que nous avons prié notre Père du Ciel le premier jour, le mercredi des cendres. Nous avons dit, accorde-nous Seigneur, de savoir commencer saintement par une journée de jeûne notre entraînement au combat spirituel, que nos privations nous rendent plus forts pour lutter contre l'esprit du mal. Le mal veut nous dominer. Le démon va tenter jusqu'à la fin des temps de voler le plus d'âmes possible à notre Seigneur. Âme rachetée par le précieux sang, mais qui se ferme à l'amour. La société actuelle, le monde, veut nous dominer, soit en esclavageant les enfants, les adolescents, les jeunes et même les adultes, avec la perte du temps dans les réseaux sociaux, dans les loisirs, dans le commerce en ligne, jeux en ligne, en esclavageant par la disparition de tout jugement sur l'actualité. Et ainsi, finalement, le mal veut nous dominer en agissant en nous par nos coups d'émotion, nos envies, en faisant taire la raison éclairée par la révélation divine, par le bon sens et la conscience. Tout cela veut nous dominer en nous écartant du chemin qui mène au bonheur, ce bonheur suprême qui est la vision de Dieu. Et cela durera jusqu'au dernier soupir de notre vie. Pour cette raison, il est temps de commencer, de continuer notre combat spirituel et de nous entraîner pour ne pas se laisser traîner. Posons notre regard vers le Christ au désert. Suivons dans ces jours son exemple. Premier point. L'entraînement de cette période consiste dans le renoncement. Pour se donner bonne conscience depuis des décennies, on fait de la pénitence un renoncement des choses superficielles. On pourrait dire, on fait un renoncement bidon. Bol de riz, pas de chocolat, un petit renoncement à droite ou à gauche. Je préfère renoncer à autre chose, parce que si je ne mange pas, je suis en mauvaise humeur, on se dit. Mais les autres choses n'existent pas. Afin de vivre l'esprit du carême, renonçons. Comme je suis au désert, renonçons à ce que notre corps est capable de renoncer. Et il est capable, mais la volonté fait souvent défaut. Tous les jeûnes que nous pouvons faire, faisons-les. Tout le renoncement au confort que nous pouvons faire, faisons-le. Tout le renoncement, surtout au bruit des médias, que nous pouvons faire, faisons-le. Renonçons. Éteignons tout cela afin d'illuminer notre esprit. Saint Paul donne ce conseil aux Corinthiens quand il leur dit « Tous les athlètes à l'entraînement s'imposent une discipline sévère. Ils le font pour recevoir une couronne de laurier qui va se faner, et nous, pour une couronne qui ne se fane pas. » Moi, si je cours, continuait Saint Paul, ce n'est pas sans fixer le but. Si je fais de la lutte, ce n'est pas en frappant dans le vide, mais je traite durement mon corps. J'en fais mon esclave pour éviter qu'après avoir proclamé l'évangile à d'autres, je sois moi-même disqualifié. Sans renoncement, nous allons nous laisser conduire par notre corps, nos désirs, nos envies. Et cela va nous handicaper toujours. Cela pourrait être aussi en détriment de notre salut éternel.
Nous accompagnons ce renoncement avec le sacrifice que nous devons faire de l'accomplissement fidèle et honnête de nos devoirs d'État, de nos engagements. Le suprême sacrifice de nous-mêmes pour faire régner la charité dans nos maisons. Deuxième et dernier point. Nous devons nous entraîner pour combattre les ennemis de l'âme, comme Jésus le fait au désert. Nous-mêmes, notre sensualité et nos envies, comme on vient de le dire, nous les combattons avec les renoncements. Comme dit le Seigneur, il est écrit « L'homme ne vit pas seulement du pain ». Le monde, la société actuelle, dominée par l'hédonisme, le chacun pour soi, le pouvoir d'achat, nous allons le vaincre par l'esprit d'adoration. Reconnaître le domaine de Dieu sur la création. Il est écrit, continue le Seigneur, « C'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, à lui seul tu rendras un culte. » Ne pas nous prosterner devant ce que le monde nous donne. Cela souvent fait partie de nos besoins vitaux. Mais ne nous laissons pas embobiner par le malin en nous faisant mettre toutes nos pensées dans ces choses, en oubliant celui qui est le vrai maître de tout, le Seigneur Dieu. Finalement, le démon, les tentations, ces pièges pour faire le mal ou faire moins bien le bien que nous devons faire, nous allons les vaincre en mettant toute notre confiance en Dieu. Il est dit, « Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu ». Si nous devenons des girouettes du diable, c'est parce que nous pensons que nous allons le vaincre sans aucun effort, en mettant notre confiance en nous-mêmes. Cela nous mène quelquefois à ne pas nous éloigner des occasions du péché. Ne tentons pas le Seigneur. Dès les premiers instants de la journée, offrons-lui tout notre cœur, en lui disant avec saint Philippe Néri, « Seigneur, méfie-toi de moi aujourd'hui. J'ai peur de te trahir. Méfie-toi de Philippe, Seigneur, et garde-moi dans ta fidélité. » Demandons au Seigneur de nous bénir dans cette période, afin que sa miséricorde nous obtienne la récompense promise à ceux qui font pénitence. Que dans l'épreuve grandisse notre espérance, que dans la tentation s'affermisse notre courage, et ainsi qu'il nous soit accordé la rédemption éternelle. Que la Vierge Marie nous accompagne dans ce temps béni de conversion.